aventure et de la lecture. J'espère que vous allez bien. On se voit aujourd'hui pour cette pépite-là, Nexus de Ramez Naam. Donc là, c'est aux éditions Presse de la Cité. Donc, comme ça, et comme ça. Donc, pour l'histoire. En 2040, voilà, il y a le monde a évolué, il y a une drogue qui s'appelle le Nexus, d'où le nom du titre. Et en fait, le Nexus consiste à prendre la drogue et grâce à cette drogue, à pouvoir connecter les esprits humains et donc à se partager des informations, à échanger sur les émotions de chacun. Et ça a pu dévier cette drogue par de l'exploitation de personnes, de la manipulation de personnes. Donc, dans le monde, cette drogue n'est pas réglementée de la même façon. Comme toujours aujourd'hui, de toute façon, les drogues n'ont pas les mêmes statuts en fonction des pays où l'on est. Et donc là, on est plutôt en Amérique, on va suivre des personnes qui sont en Amérique. La drogue, cette drogue Nexus est considérée comme totalement interdite. Les gens n'ont pas le droit d'en consommer, de la posséder, tout ça. Et donc il y a une cellule spéciale, l'ERD, alors je ne sais plus trop ce que ça veut dire, qui se charge de mener l'enquête et d'essayer d'attraper les gens qui trafiquent cette drogue. Donc le Nexus a eu des numéros, et un certain Cade, en fait, qui est un chercheur scientifique, alors je ne sais plus si on le donne exactement ce qu'il est, il est biologiste en fait, avec des amis à lui, ils vont réussir à donner un autre niveau au Nexus, c'est-à-dire qu'ils vont passer au Nexus 5, et le Nexus 5 en fait devient un système de traitement de leur pensée et de leur cerveau. Ça n'est plus une drogue dans le sens où ils doivent la consommer, la drogue agit et puis après elle disparaît au fur et à mesure. Une fois qu'ils l'ont pris, le Nexus, il reste dans leur cerveau et il devient en fait une interface de communication. Donc le Nexus va augmenter les possibilités des gens, le Nexus 5 va augmenter les possibilités des gens qui l'ont pris. Et ils vont pouvoir se créer une nouvelle façon d'interagir, c'est-à-dire qu'ils vont constamment avoir le Nexus et ils vont pouvoir se programmer eux-mêmes. Se programmer sur des compétences différentes, sur des apprentissages différents, sur comme un ordinateur en fait. C'est-à-dire qu'ils vont avoir comme s'ils avaient un ordinateur avec leur cerveau et qui va réussir à programmer l'ensemble du corps, mais aussi qui va programmer les interactions avec les autres, c'est-à-dire que tous ceux qui ont le Nexus 5 peuvent communiquer par pensée, communiquer entre eux, et même aller voir ce qui se passe chez les autres, aller sentir ce qui se passe dans leurs émotions, aller voir ce qu'il y a dans leurs souvenirs et tout ça. Et donc là, l'ERD va entrer en scène. On a Sam de l'ERD en fait qui va passer, qui va s'infiltrer et va rencontrer Cade. Ils vont tout de suite bien s'entendre et il va l'inviter à une soirée. Et dans cette soirée, en fait, il va être distribué pour des nouvelles personnes le Nexus 5. Et donc, elle va recevoir le Nexus 5, ce qui est plutôt positif parce qu'elle était censée être infiltrée, mais ce qui va se retourner contre elle parce qu'elle va entrer en communication avec tout le monde et qu'ils vont découvrir qui elle est en fait. Donc, là-dessus, ils vont découvrir qui elle est. Ils vont interrompre la fête, elle va se faire attraper et ils vont aussi à ce moment-là se mettre à la manipuler, c'est-à-dire à réussir de par leur esprit à eux à l'anéantir, enfin pas à l'anéantir mais à l'empêcher de bouger, à l'empêcher de penser. Donc ils vont faire ça pendant un temps, puis après ils vont la libérer entre parenthèses pour savoir ben, comment ça se fait que l'ERD est là et qu'est-ce qu'ils risquent. Donc ce qu'elle leur explique, c'est que l'ERD a tout entendu et tout vu de ce qui s'est passé, qu'ils vont sûrement lancer l'assaut, puisque elle ne donne pas de nouvelles depuis un moment, et qu'il y a deux choix, soit ils se font tous attraper et ils vont tous en prison, pour très très longtemps, soit Cade accepte de travailler avec l'ERD, parce qu'il va être invité en fait à un grand congrès en Thaïlande où se réunissent les plus grands scientifiques et les personnes les plus influentes sur tout ce qui va être nouvelle technologie, dont voilà, ils soupçonnent qu'il y ait un trafic de Nexus mondial avec une manipulation du Nexus à un niveau en fait mondial et puis qui pourrait manipuler certains chefs d'État
et qui pourrait avoir une influence sur tout ce qui va être autour des conflits mondiaux. Et donc, il voudrait que Cade aille sur place, se rapproche de personnes très influentes qu'il soupçonne, pour pouvoir mettre à jour tout ce qui se fait. Donc, Cade va accepter de partir et on va voir dans son déplacement et dans tout ce qu'il va vivre qu'il va rencontrer en Thaïlande. Il va aussi se rendre compte des enjeux qu'il y a à cause du Nexus et à cause de toutes ces technologies qui augmentent l'humain et qu'il y a clairement en fait un conflit entre les humains de base et ce qu'ils appellent les post-humains, c'est-à-dire des humains augmentés, que ce soit par la drogue, par les interventions, par des nanomachines ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Franchement, il était génial, foncé. Alors si j'ai lu ce livre, c'est parce qu'il avait été recommandé par Olivier Roland sur sa chaîne, où il expliquait que ça pouvait être le demain, ça pouvait clairement être ce qui serait notre futur et que où est-ce qu'on était? Est-ce qu'on était du camp des humains qui veulent rester ce qu'ils sont, quitte à regarder la locomotive passer et puis dire coucou comme ça, ou est-ce qu'on veut être des post-humains et anticiper ce qui va arriver et se donner la possibilité d'augmenter ses capacités et d'augmenter sa capacité de communication aussi avec l'autre? Et là-dessus, ce qui fait surtout peur aux gens, c'est que cette capacité de communication peut créer, bien sûr, enfin du côté positif, va créer des liens plus forts, va créer des liens de compréhension et va permettre à chacun de se rendre compte de la différence de tout le monde, mais aussi de l'humanité de tout le monde. Donc ça serait son pendant positif. Mais le côté négatif, c'est que on pourrait aussi manipuler les uns et les autres à cause de cette drogue. Donc il y a deux camps là-dessus, ceux qui voudraient que le Nexus 5 et ce genre de technologie soient offertes au monde entier, et ceux qui voudraient que tout ça, un peu le statut de l'Amérique, soit enfermé, qu'on l'empêche d'exister pour permettre aux humains de rester comme ils sont et de surtout pas bouger. Donc vous êtes dans quel camp, vous? Bon, je vous influence pas, hein. Donc il fait beaucoup réfléchir ce livre. Il est très intéressant parce qu'on peut se projeter clairement dans un futur tel que celui-là. On se pose aussi la question, est-ce qu'on a vraiment envie de voir tout changer? Est-ce que de simplifier les communications, quitte à partager une partie de son cerveau, est-ce que ça fait pas si peur que ça quand même? Et puis, en termes d'écriture, il est super bien écrit, ça se lit très bien, facilement, assez vite aussi. Et puis l'histoire va avance à bon rythme. Donc, si vous l'avez déjà lu, vous dites-moi ce que vous en avez pensé. Ceux qui n'ont pas lu, est-ce que ça vous intéresserait de le lire? Et est-ce que vous connaissez, pour tout le monde, est-ce que vous connaissez des livres comme ça qui parlent aussi bien du futur, de ce que ça pourrait être et des dangers de ces nouvelles technologies, mais aussi de l'ouverture de ces nouvelles technologies et de à quel point est-ce que ces technologies peuvent augmenter l'être humain, peuvent nous augmenter et nous donner plus de capacités? Donc si vous en avez, dites-le moi, s'il vous plaît, partagez vos connaissances. Et puis, à ciao, bye les amis!